Si est-il une révélation des plus inattendues pour Lucie Bernardoni. L'ancienne candidate de la Star Academy a annoncé son divorce avec Patrice McTaff sur Instagram. Une nouvelle qui intervient alors que le chanteur lui avait demandé sa main en février 2022. Le 8 décembre 2023, Lucie Bernardoni a annoncé sa rupture avec son mari Patrice McTaff en écrivant quelques lignes sur Instagram. Une nouvelle très inattendue pour les amoureux qui étaient mariés en 2018 et qui s'étaient rencontrés dans la première saison de la Star Academy. Il est temps d'écrire ces quelques petits mots pas prévus, mais qui me feront du bien. Comme nous n'avions pas caché notre mariage, je me dois et je lui dois, après tout ce que nous avons vécu, et qui n'appartient qu'à nous, de vous écrire que Patrice McTaff et moi, avons divorcé il y a quelques mois, dans le respect et la bienveillance. Si est-il un homme bien et que je le soutiendrai toujours. Simplement. Je désactive les commentaires sous ce post. Je sais que vous comprendrez. Je me ferai discrète dorénavant sur ma vie privée. Ça, si est-il à moi que je le dois et à ceux qui m'entourent. Merci. Peut-on lire sur sa publication. De son côté, Patrice McTaff a également écrit de beaux mots pour officialiser son divorce avec Lucie Bernardoni. L'artiste a ainsi écrit un beau poème pour représenter sa relation avec son ex. Au voyage que nous avons fait à ceux que nous ferons peut-être. Au drap que l'on a froissé. Comme nos cœurs parfois. Au contour imparfait, de nos âmes fragiles, perdues dans le dédale des douleurs malhabiles, à la nuit qui m'enveloppe, quand j'étreins ton absence, à toutes ces lettres mortes, qu'on laissera au silence, à la flamme qui vacille, mais qui ne s'éteint jamais. Patrice a écrit le chanteur sur Instagram. Il s'était passé la bague au doigt en février 2022. Pour rappel, Lucie Bernardoni avait eu une demande en mariage de Patrice McTaff le 4 février 2022, jour de ses 35 ans. Il lui avait demandé sa main pour la seconde fois. Merci à tous. 35 ans. Mon mari qui me redemande une deuxième fois en mariage le soir de mes 35 ans. J'ai dit une nouvelle fois oui mais avec les yeux car ma voix a décidé de me lâcher aujourd'hui. Mais si est-il avec le cœur qu'on parle le mieux, je crois bien. Je vous embrasse. Avait-elle confié sur son compte Instagram. Maman d'une petite fille prénommée Lilian Angelina, née en 2010 de son union avec le chanteur Pedro Alves, Lucie Bernardoni reste très discrète et ne dévoile que très rarement des images de sa fille sur les réseaux sociaux.